Sa grâce. Merci. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je pense qu'il y a un petit problème technique. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre vous. Merci de vous connecter pour ce temps d'études bibliques. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Et les uns, vous venez peut-être de travail, vous venez de l'école, de l'université, et vous êtes là, positionnés pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments d'études bibliques. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de nous accorder cette heure. Merci de nous donner ces moments. Encore une fois, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance de la grâce que tu nous as fait de voir la journée d'aujourd'hui. Et alors que nous étions dans diverses activités, et Seigneur, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Et voilà encore, par ta grâce, tu nous donnes ce moment pour que nous puissions étudier ensemble ta parole, réfléchir autour des Saintes Écritures. Vraiment, apporte la lumière nécessaire à notre cœur, à notre esprit, afin que nous soyons capables de comprendre et de saisir ta pensée au travers de ces enseignements, que tu puisses vraiment nourrir notre âme, nourrir notre esprit, nous façonner, nous modeler à la ressemblance de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton assistance tout au long de ce partage. Que ton peuple que nous sommes, nous soyons disposés et ouverts à ta pensée et que chacun là où il se trouve demeure sous ta grâce et que ta bénédiction soit sur chacun. Au nom de Jésus, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, donc, nous bénissons le Seigneur encore ce soir. Nous sommes là dans le cadre de notre étude biblique, comme vous le savez, et nous nous retrouvons
pour parler. Nous sommes en train de parler sur un sujet important, les caractéristiques des fils et des filles du royaume. Nous parlons sur le caractère de Christ, sur les caractéristiques des fils, des citoyens du ciel, des fils du royaume, et basé sur les sermons sur la montagne où Jésus a parlé des béatitudes. Et cet enseignement aussi riche et profond que Jésus a partagé avec ses disciples, qui sont en train de bousculer la manière de faire et d'être du monde. C'est vraiment très contradictoire, les vérités que Jésus est en train de dire et à ce que les hommes pensent comme le bonheur. Jésus nous montre le chemin du bonheur au travers des sermons sur la montagne. Il nous présente comment atteindre le vrai bonheur, comment jouir du vrai bonheur, et qui est contrairement à ce que le monde nous présente. Mais nous avons commencé par parler sur heureux le pauvre en esprit. Nous avons parlé de cela pour souligner que celui qui est pauvre en esprit, on ne parle pas d'une certaine pauvreté matérielle, mais on est en train de nous présenter un homme pauvre spirituellement, c'est-à-dire un homme qui se sent incapable pour se sauver lui-même, un homme qui se voit insignifiant et devant Dieu. Il n'a pas, il se sent incapable, comme je disais, de se sauver lui-même. Il est conscient de son incapacité, de ses faiblesses, de combien il désire encore davantage Dieu dans sa vie. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous avons également commencé à parler depuis mardi sur notre deuxième béatitude qui est dans Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu chapitre 5, verset 4. J'espère que vous êtes bien installés avec votre bloc-notes, votre Bible à côté pour que pendant ce moment ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Donc, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 5, verset 4, la Bible dit ceci: Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et c'est ce que nous avons essayé de partager la fois passée. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous avons dit que la deuxième béatitude, déclare la bénédiction de Dieu, l'approbation, n'est-ce pas? L'approbation et la joie de Dieu sur la vie de ceux qui sont dans le deuil. Dans cette deuxième béatitude, Dieu est en train de faire une déclaration. C'est la déclaration de la bénédiction envers ceux qui pleurent, envers ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans les larmes, dans le pleur. Dieu est en train de déclarer une bénédiction en disant, car ils seront consolés, car ils seront réconfortés, car ils seront, leurs larmes sera essuyée. Et qui pleurent maintenant, et qui pleurent pendant ces temps-ci. Dieu promet la consolation à ceux qui pleurent. Dieu promet la consolation à ceux qui sont dans le deuil. Et nous avons essayé de réfléchir ensemble pour voir et comprendre de quel type de deuil le Seigneur parlait-il. De quel type de deuil parlait-il? Est-ce que de deuil, puisqu'on a perdu un être cher, parlait-il de deuil parce que, comme avec coronavirus, nous avons perdu nos investissements dans les affaires? Parlait-il de deuil parce que nous avons un homme, notre ami ou petit ami nous a quittés, nous a délaissés, alors nous sommes en deuil, nous sommes en train de pleurer. Est-ce de cela que Jésus est en train de parler? Est-ce de cela que Jésus est en train de est-ce de cela qu'il fait allusion? Et nous avons dit non, il ne fait pas allusion à cela, mais le deuil, le pleur dont il fait allusion, c'est pleurer par rapport au péché personnel d'abord. Donc, il fait allusion au deuil. Hein? À quel type de deuil le Christ fait-il référence? Il s'agit bien sûr du deuil pour un péché personnel. Pour un péché personnel, parce que nous nous sommes livrés pour un péché personnel. Et comme je l'ai dit, bien entendu, il ne s'agit pas d'un deuil dû à des mauvaises circonstances ou à la perte de quelque chose de précieux.
hein, de quelque chose de précieux, de quelque chose qui nous coûte cher. C'est normal que nous puissions faire le deuil, que nous puissions pleurer par rapport à la chose. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas de ça que Jésus fait allusion. Lorsqu'il parle de heureux, hein, ceux qui pleurent, il ne fait pas allusion de cela. Et pourquoi Jésus ne fait pas allusion à cela? C'est simplement parce que cette sorte et ce type de deuil est également commun au monde. Donc même ceux qui ne connaissent pas Christ, ils font le deuil pour les maris qui les a quittés, la femme qui l'a abandonné, la petite amie qui les a quittés. Ils font le deuil parce qu'ils ont perdu les investissements dans les affaires. Ils font le deuil parce que voilà, ils sont dans des circonstances un peu très difficiles, très particulières. Ils pleurent. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans Jésus, mais il s'agit bel et bien de deuil pour un péché personnel. Un péché personnel. Lorsque les gens naissent de nouveau, Dieu modifie les relations au péché. Nous avions dit, vous voyez, nous pleurons sur nos péchés. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, notre manière de voir le péché, notre manière de concevoir le péché est différente. Nous ne trouvons plus du plaisir dans le péché. Le péché, nous ne trouvons plus du plaisir à pratiquer, à vivre dans le péché. Et quand il nous arrive de tomber dans le péché, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes dans les larmes, nous sommes dans le pleur. Notre cœur est tourmenté, notre esprit est agité, notre âme est brisée parce que nous nous rendons compte que nous avons désobéi à Dieu. Notre relation avec Dieu a été brisée. Et cet état d'esprit de deuil, des larmes et de pleurs. Nous pleurons pour nos péchés. Nous avons dit longuement le mardi passé, malheureusement aujourd'hui, les chrétiens même ne pleurent plus pour leurs péchés. Le péché est devenu normal, le péché est devenu comme notre mode de vie, quelque chose de naturel. Ça ne nous étonne plus, ça ne nous attriste plus, et c'est normal, on vit dans le péché, on marche dans le péché, on peut mentir sans remords, on peut voler sans tristesse, on peut tricher sans remords, on peut tromper sa femme, son mari, on peut vivre dans toute forme de débauche sans remords, sans regret. On n'a plus mal, on ne souffre plus à cause de ces actes qui déshonorent Dieu, de ces actes qui blessent le cœur de Dieu, de ces actes qui attristent Dieu. Nous, ça ne nous attriste plus. On est content, on est normal, on est naturel. Vous voyez, quelqu'un qui vit dans le péché, il est là, il est normal, il vient, il sert Dieu à l'église, il fait tout ce qu'il peut faire. Et il est normal, il n'y a même plus de remords par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux dans l'Église du Seigneur. Il y a un problème sérieux au milieu du peuple de Dieu. Lorsque le péché devient quelque chose de normal, lorsque nous pouvons rire du péché, nous pouvons même nous moquer du péché, alors que nous devions en pleurer, nous devons nous lamenter, nous frapper la poitrine, gémir pour ces choses comme la Bible nous les montre. Donc, ceux qui sont consolés, dit Dieu, c'est ceux qui pleurent pour leur péché personnel. Et pour leur péché personnel, c'est ceux qui pleurent pour leur péché personnel. Et ils pleurent, ils implorent la grâce de Dieu par la repentance en cherchant la face du Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous invite à faire tout le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier cela. Nous avons souligné l'exemple de David qui souffrait au plus profond de lui-même dans le psaume 32, à partir du verset 3e jusqu'au verset 5e. Il dit, mon cœur, mes os s'est consumé au-dedans de moi. Lorsque j'ai gardé ces péchés, j'ai gémissé au-dedans de moi-même. J'ai pleuré de manière continuelle. J'ai souffré de vivre dans cette hypocrisie en gardant le péché jusqu'à ce que je suis allé avouer cela à l'Éternel, mais repentir devant la face du Seigneur. Notre attitude, bien-aimé dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, chrétiens, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, notre attitude vis-à-vis du péché, le péché doit changer. Nous ne devons pas considérer le péché comme quelque chose de normal, comme quelque chose
Voilà, c'est pas grave. On entend souvent les gens dire, mais c'est pas grave. C'est juste frauder. C'est pas grave. C'est juste un petit mensonge. Mais il n'y a pas de grands et de petits mensonges. Le mensonge reste un mensonge. Et quand nous mentons, quand nous volons, quand nous pratiquons ces choses, nous devons être tristes et en larmes. Et ça, c'est ce que la Bible nous enseigne et c'est ce que la Bible nous apprend. Et deuxième raison, deuxième type de deuil, nous avions dit, c'est aussi, il s'agit de deuil pour le péché des autres. Faire le deuil pour le péché des autres, pas seulement pour ses propres péchés. Parce que nous avons dit qu'un vrai croyant ne pleure pas seulement son péché. Non. Il ne pleure pas seulement son péché personnel. Il pleure aussi le péché des autres. Il est en deuil aussi pour le péché des autres, pour le péché des frères et sœurs qui vivent dans le péché et qui marchent dans le péché, dont nous sommes conscients, dont nous sommes témoins de voir la vie qu'ils mènent. C'est une souffrance. Nous devons pleurer, nous devons gémir pour cette manière de vivre de nos frères et de nos sœurs. Nous ne pouvons pas encourager cette vie de péché, nous ne pouvons pas applaudir cette vie de péché, mais nous souffrons de voir nos bien-aimés marcher contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu, vivant dans le péché alors qu'ils prônent être des chrétiens, alors qu'ils prônent être des enfants de Dieu, qu'ils prônent appartenir à l'Église de Dieu, mais qui vivent délibérément dans le péché. Ça, c'est quelque chose de triste hein, qui doit briser nos cœurs, qui doit nous faire pleurer, qui doit nous faire gémir. Au lieu, bien-aimés dans le Seigneur, de pleurer, très souvent, nous tombons dans le piège des divulguer, des calomnier, des crier partout, de commencer à se moquer au lieu de pleurer. Il y a même des gens qui sont contents de voir les autres tomber dans le péché pour qu'ils disent nous sommes tous au même niveau. Et ils sont heureux de voir que les autres tombent dans le péché, qu'on a surpris quelqu'un dans le péché, qu'on a condamné. Ça le fait plaisir. Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Un vrai chrétien est celui qui pleure, qui se lamente, qui souffre quand il voit son frère dans le péché, qui souffre quand il voit son frère vivre dans le péché. Nous avons souligné l'exemple d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. Ésaïe, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer dès le début de ces chapitres, Ésaïe ne fait que parler sur malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Donc, mais ici, dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, il dit ainsi, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Il a pleuré son propre péché, Ésaïe, mais aussi celui de son peuple. Il a souffert de voir le peuple de Dieu se détourner de Dieu, de voir le peuple de Dieu se plaire dans le péché. C'était une grande souffrance. De plus, David a dit ceci dans le psaume 119, verset 136. Il dit « Des larmes coulent de mes yeux parce que tes gens n'observent pas ta loi. » Des larmes coulent de mes yeux parce que les gens n'observent pas ta loi. Ton peuple n'observe pas tes commandements. Et les larmes coulent de mes yeux. Il dit « Je pleure quand je vois cela. Je pleure quand je vois l'Église de Dieu. Quand je vois le peuple de Dieu marcher dans le péché. Je pleure quand j'entends ces choses que telle personne est tombée, telle autre personne est tombée. Je pleure, dit le psalmiste David. Il dit, des larmes coulent de mes yeux. Pleurons-nous encore aujourd'hui pour le péché que nous voyons autour de nous, pour les nouvelles que nous apprenons à gauche et à droite de telle personne, voilà ce qu'il est devenu, telle autre personne, il a abandonné la foi, telle autre personne est en train de vivre dans toute forme de compromis, de toute forme de saleté. Est-ce que nous sommes encore de ceux qui pleurent ou bien nous sommes de ceux qui vont divulguer, que le monde entier sache, que tout le monde découvre et que nous nous plaisons à cela, nous sommes heureux, nous sommes contents d'en parler même à tout le monde.
au lieu d'entrer dans le deuil pour implorer la grâce de Dieu. Parce que c'est une honte, mais c'est aussi une grande souffrance pour Dieu. C'est une honte pour le nom de Dieu. Et nous devons, et la Bible dit, nous devons pleurer pour ces choses. À l'exemple d'Ésaïe, à l'exemple de David, nous devons pleurer, pleurer. Pleurer l'injustice qui s'est faite dans ce monde. Nous devons pleurer quand nous voyons tous ces mondes, toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, l'injustice, la corruption qui règne dans le monde, l'immoralité qui se pratique aujourd'hui, l'immoralité sexuelle qui se pratique aujourd'hui de manière libre et valorisée et libéralisée des choses honteuses. Mais nous devons pleurer aujourd'hui quand nous voyons toutes ces familles qui se déchirent, la rupture des familles, les divorces qui ont gagné le terrain, les divorces qui ne font que s'augmenter, qui est entré même dans l'église, qui est devenu quelque chose de normal, qui est devenu quelque chose de, voilà, de banal, qui est tellement banalisé aujourd'hui, les divorces, et c'est tellement banalisé, nous devons en pleurer, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses qui doivent nous faire souffrir, ce sont des choses qui doivent nous faire mal, et c'est cette attitude là qui peut amener le réveil au milieu de l'église de Dieu. C'est cette attitude là qui va nous pousser véritablement à chercher Dieu pour que les choses changent, à pleurer devant la face de Dieu, à crier, à gémir. Et c'est à ce moment là que le réveil, nous allons vivre le réveil, que le réveil de Dieu, que le réveil va venir. Mais aussi longtemps que nous sommes restés, nous sommes toujours insensibles à tout ce qui s'est fait aujourd'hui, à l'injustice, à la corruption, à toute forme d'immoralité sexuelle, à toutes ces choses qui se font aujourd'hui. Nous restons insensibles, indifférents. Nous disons, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon affaire. Alors, à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, le réveil étant attendu, désiré, souhaité, nous n'allons pas vivre cela. Et c'est ce qui est triste. Mais l'Église doit être dans cet état de tristesse, dans cet état de deuil. Quand il apprend que ses enfants, que ses frères et sœurs, que ses membres sont tombés, ils ont abandonné la foi, ils se sont détournés de Dieu, et toutes ces choses doivent nous faire pleurer dans la présence du Seigneur. Et nous avons souligné, nous avons des exemples comme Jésus, hein, comme l'exemple de Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'il s'approcha de Jérusalem, dans Luc 19, verset 41, lorsqu'il s'approchait de la ville de Jérusalem, lorsqu'il vit cela, la Bible dit, Jésus pleura sur elle. Jésus a pleuré sur cette ville. Il s'est lamenté. Il a pleuré. Jésus a pleuré pour cette ville. Jésus était aussi en deuil. Nous voyons aussi, devant la tombe de Lazare, Jésus était en deuil. Jésus a pleuré. Jésus a crié, il a pleuré des douleurs, des souffrances, il a pleuré de voir l'attitude d'incrédulité. Jésus a pleuré de voir Jérusalem rester indifférent au message du salut, au message de la repentance. Au lieu de se repentir, il tue les prophètes, il les persécute, il les chasse, il les massacre au lieu de se repentir. Et ça, la Bible dit, Jésus en voyant cela, il a beaucoup pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Et il a pleuré encore. Et nous avons souligné cet aspect des choses tout au long de notre rencontre passée. Donc Dieu, il console ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent par rapport à leur péché personnel, mais aussi ceux qui pleurent par rapport au péché des autres. Des autres, c'est-à-dire les bien-aimés frères et sœurs, mais aussi les autres, le monde. Comment le monde est en train d'évoluer, la légèreté du péché dans le monde, la corruption qui règne, ça doit amener l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu que nous sommes, dans les larmes et dans le pleur. Et Jésus dit, heureux ceux qui pleurent. Nous savons très souvent, sont heureux ceux qui rient, sont heureux, ceux qui sont joyeux, sont heureux. Pour nous, quelqu'un est heureux quand il est en train de rire, quand il est joyeux, quand il est dans la réjouissance. Mais Jésus dit, heureux ceux qui pleurent.
Ça, c'est vraiment de manière, une autre vision de bonheur, une autre façon de voir les choses. Sont heureux, ce n'est pas ceux qui se réjouissent, ceux qui remplissent des boîtes de nuit, ceux qui remplissent et ceux qui ont des comptes remplis, mais sont heureux ceux qui pleurent sur leurs péchés. Ils se frappent la poitrine. Il se lamente devant Dieu. Il cherche la miséricorde de Dieu. Il crie la grâce du Seigneur, le pardon de Dieu. Il se répand dans le centre, dans la poussière, dans le larme et dans le pleur pour dire « Dieu, aie pitié de moi. Dieu, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. » Cela, la Bible dit, ils sont heureux parce qu'ils seront consolés. De même, ceux qui pleurent pour les péchés des autres. Voilà. Là où nous étions arrêtés la fois passée. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans ces deuxièmes béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, réconfortés. Car ils seront réconfortés. C'est de cette partie que nous allons essayer de parler pendant ces quelques moments. Ils seront réconfortés. Dieu réconforte les personnes en deuil. Dieu réconforte ceux qui sont en deuil, ceux qui sont dans les larmes, ceux qui sont dans le pleur. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu réconforte ces personnes qui pleurent, ces personnes qui sont dans le deuil, qui pleurent pour leurs péchés, qui pleurent pour le péché des autres, qui souffrent de voir l'état de notre monde aujourd'hui, de voir l'état de cœur des gens, de voir l'endurcissement de cœur, de voir l'indifférence vis-à-vis de l'Évangile, l'insensibilité des hommes aujourd'hui. La Bible dit, Dieu les console, Dieu les réconforte. Dieu est celui qui nous apporte les réconforts nécessaires. Au sein, dans notre deuil, dans nos larmes, Dieu est notre réconfort. Dieu est celui qui nous console. Dieu est celui qui essuie nos larmes. Dieu console le cœur brisé, console le cœur meurtri, console le cœur abattu, console le cœur triste, le cœur en larmes, les cœurs qui pleurent. Dieu console, essuie les larmes. Il sèche nos larmes. Déjà ici sur terre, Dieu nous apporte la consolation, les réconforts normaux, les réconforts nécessaires. Et bénissons le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, parce que Dieu ne nous laisse pas dans le deuil tout le temps. Dieu est aussi celui qui nous réconforte. Alors que nous pleurons, alors que nous gémissons, nous souffrons dans nos cœurs à cause de ces péchés, Dieu est là pour nous consoler. Dieu est là pour nous réconforter. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils seront réconfortés. Alors le mot « consoler » a le même sens, a la même racine, je voulais dire, que le mot grec paraclète, parakletos. Le mot grec parakletos a le même sens que le mot grec parakletos, que le Christ a utilisé pour désigner le Saint-Esprit. Vous savez que dans les évangiles de Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il dit, Christ appelle le Saint-Esprit le consolateur. Le consolateur qui veut simplement dire notre aide, notre conseiller ou notre consolateur, notre défenseur. Voilà, le mot parakletos, ça veut dire quelqu'un qui est à côté de nous pour nous aider, quelqu'un qui est à côté de nous pour nous consoler, quelqu'un qui est à côté de nous pour nous réconforter, quelqu'un qui est à côté de nous pour nous soutenir, quelqu'un qui est là pendant les moments durs, pendant les moments de souffrance, pendant les moments de peine, mais il est là à côté de nous pour nous consoler, pour nous conseiller. Hein? Et c'est le même mot, c'est la même racine que le mot parakletos que Jésus utilise pour désigner le Saint-Esprit et montrant également l'œuvre du Saint-Esprit et celui de nous consoler dans Jean chapitre 14, verset 26. Donc le Christ appelle le Saint-Esprit notre aide, notre conseiller
ou notre consolateur. C'est lui qui vient à nos côtés pour nous aider. C'est lui qui vient à nos côtés pour nous aider. Et parler également dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Dieu lui-même est appelé le Père de miséricorde et Dieu de toute consolation. Il est le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Donc Dieu lui-même, il est notre consolation. Dieu est notre consolation. Le Saint-Esprit est le consolateur et Dieu est le Père de la consolation. Il est celui qui console, qui nous réconforte dans toutes nos difficultés. Il est là, Dieu, pour nous réconforter, pour nous consoler dans toutes nos difficultés, afin que nous puissions réconforter ceux qui ont des difficultés avec la consolation dont nous sommes nous-mêmes réconfortés par. Alors que nous sommes nous-mêmes, Dieu nous réconforte pour que nous puissions aussi réconforter ceux qui sont en difficulté. Dieu est notre consolation, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne trouvons pas la consolation dans ce monde, si nous ne trouvons pas la consolation auprès des hommes, nous devons savoir une chose, que Dieu est notre consolation. Dieu est notre consolation. En lui, nous trouvons la véritable consolation. Il est notre consolation. La vraie consolation, nous la trouvons en Dieu. Dieu est notre consolation. Il est notre paraclétos. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Et en lui, nous pouvons trouver la vraie consolation. Et Dieu nous console dans les moments difficiles. Dieu nous apporte la consolation nécessaire pour que nous aussi, à notre tour, que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans les larmes, ceux qui sont en train de pleurer jour et nuit, pour que nous leur apportions également le réconfort de Dieu. Pas notre réconfort à nous, parce que notre réconfort, elle est humaine. Non, mais le réconfort de Dieu et quelque chose de merveilleux. Dieu est notre consolation. Heureux, heureux ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent, car ils seront consolés, dit Dieu. Et pour eux seuls, seuls ceux qui pleurent, seuls ceux qui sont affligés, seuls ceux qui sont en deuil, eux, Dieu promet pour eux la consolation. Ceux qui pleurent profondément les effets du péché font l'expérience de la consolation de Dieu. Ceux qui pleurent, ceux qui se frappent la poitrine pour leur péché, ils vont faire l'expérience de la consolation de Dieu, de la consolation de Dieu. Ceux qui pleurent pour le péché des autres, pour le salut des âmes, pour la justice, la Bible dit, Dieu les consolera. Ils feront l'expérience de la consolation. Je prie que Dieu console un homme, qui console une femme, qui pleure, qui gémit pour le salut de ses enfants, qui pleure, qui gémit pour le salut de son mari, qui pleure, qui gémit pour le salut des membres de sa famille, de ses amis, qui pleure pour la restauration de frères et de sœurs dans l'Église, qui pleure pour ces choses alors que Dieu les console, que Dieu leur apporte la consolation nécessaire, la consolation véritable. Qui est-ce que Dieu console? De quelle manière les personnes en deuil font-elles, n'est-ce pas, l'expérience du réconfort de Dieu? Comment les hommes, comment faisons-nous l'expérience de la consolation ou des réconforts de Dieu? Comment faisons-nous cela? Alors, premièrement, nous disons, Dieu console ou réconforte les personnes en deuil par le salut. Dieu réconforte ou console les personnes en deuil en leur apportant le salut. En leur apportant le salut. Vous savez, frères et sœurs, lorsque les gens acceptent vraiment l'Évangile et qu'ils sont des pécheurs sous la colère de Dieu et qu'ils ont besoin du salut, selon ce que la Bible nous dit, le deuil et la repentance
hein, suivre. Quand quelqu'un a vraiment besoin du salut, il a vraiment besoin de la délivrance de Dieu, il est conscient qu'il est pécheur, qu'il est séparé de Dieu et que son sort, c'est la perdition éternelle, cette personne-là est en deuil. Cette personne-là pleure, se lamente. Et la seule réponse de Dieu pour une telle personne qui soupire après le qui soupire, qui pleure pour son péché, qui se répente pour ses péchés, c'est le salut. Christ, c'est le salut. Alors qu'il se répente. Parce que quand nous réalisons notre état pécheresse, notre condition de perdition éternelle, la seule chose qui nous reste, c'est de nous repentir. De nous repentir. La repentance. Et quand nous nous repentons, Dieu nous accorde le salut. Et le salut devient une consolation. C'est une consolation pour le perdu. Celui qui était perdu pour l'éternité, voilà, Dieu le sauve. Celui qui était dans le péché, vraiment dans le péché profond, voilà, Dieu lui accorde le pardon. Et c'est une consolation en le sauvant. En le ramenant dans la nouvelle naissance, en faisant de lui une personne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose. Dieu console ceux qui se répandent et ceux qui pleurent pour le salut, le vrai salut. J'aime ce que des Corinthiens chapitre 1, 7, verset 10, ça nous dit, nous parlant de la tristesse, de vraie tristesse qui amène le salut, qui amène à la repentance. La tristesse qui amène à la repentance. Pas une tristesse juste là, mais une tristesse qui amène à la repentance. Et cette tristesse-là, c'est ça, c'est de ça que la Bible dit, une telle personne sera consolée. Parce qu'il a été triste, une tristesse qui amène à la repentance, qui amène la personne à se repentir. Alors, cette personne va jouir également de réconfort de Dieu. Il sera réconforté. Il sera réconforté par Dieu, par le véritable salut, par le moyen des saluts. Dieu va les sauver. Il va faire de lui son enfant. Il va pardonner ses péchés. Il va devenir un enfant de Dieu. Deuxième manière dont Dieu réconforte ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui sont affligés, ceux qui sont en deuil, c'est en leur accordant le péché et le pardon, en pardonnant leurs péchés. En pardonnant leurs péchés, Dieu les réconforte. Écoute ce que dit le psaume 32, verset 1. Heureux celui dont les transgressions sont pardonnées. Et le psaume 32, j'aime ce psaume de David, le psaume 32. David dit ceci, heureux, 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 bienheureux ceux qui sont pardonnés. Lisons cela, le psaume 32, il dit, heureux celui dont la transgression, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Voyez, il dit, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Cet homme-là, il est heureux. Il est heureux. Comme pour les béatitudes, bienheureux peut se traduire par heureux. Le bonheur divin, frères et sœurs, est accordé. Le bonheur divin est accordé aux croyants lorsque Dieu pardonne leurs péchés. Il dit, heureux celui dont la transgression est enlevée, celui dont le péché est pardonné. Les chrétiens vivent le vrai bonheur, ils expérimentent le vrai bonheur lorsqu'il est pardonné de ses péchés. Lorsqu'on est pardonné de notre péché, nous sommes des hommes heureux. Nous sommes dans le bonheur de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes heureux parce que Dieu a pardonné nos péchés. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus aucune réclamation. Dieu nous a pardonnés. Et les croyants sont heureux. Ils vivent le vrai bonheur, le bonheur divin. Ils vivent le vrai bonheur divin.
par grâce au pardon que Dieu lui accorde. C'est là où, vous savez, quand nous n'expérimentons pas le pardon de Dieu, nous sommes malheureux. Quand nous n'expérimentons pas le pardon de Dieu, nous sommes le plus triste. Nous sommes des hommes les plus malheureux parce que nous n'avons pas goûté au bonheur d'être pardonné. Au bonheur d'être pardonné par Dieu. Et c'est ce qu'a goûté David lorsqu'il dit heureux, heureux. Il est heureux, il est dans le bonheur divin. L'homme dont le péché a été pardonné, dont la transgression a été enlevée. Et sur la croix, Dieu nous a pardonné. Bien-aimés, judiciairement, nous avons été pardonnés à la croix. Mais il y a maintenant, et la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dans Romains chapitre 8, verset 1er. Parce que juridiquement, judiciairement, nous avons été pardonnés à la croix. Et il n'y a plus de condamnation. Voilà pourquoi le psalmiste dit « Heureux celui qui est pardonné » parce qu'il n'est plus sous la condamnation. À la croix, juridiquement, judiciairement, nous avons été pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous voit, nous croyons, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque Dieu nous voit, même s'il nous arrive de trébucher encore, il nous voit au travers de la justice parfaite de son Fils Jésus-Christ. Il nous voit au travers de Jésus et il nous voit juste. Nous sommes maintenant, bien-aimés, fils de Dieu. Mais nous avons encore besoin, n'est-ce pas, d'un pardon relationnel. Ce dont Christ a accompli à la croix, c'est un pardon juridique. Juridiquement, nous ne sommes plus coupables. Christ a déjà tout fait. Mais nous avons aussi besoin des pardons relationnels. Des pardons relationnels. Nous avons besoin d'expérimenter ces pardons relationnels en vue d'établir l'intimité. Vous voyez? Donc, nous avons besoin d'un pardon relationnel pour rétablir l'intimité. Je vais donner un exemple. Il peut arriver qu'on se dispute avec sa femme. Même si on dispute avec sa femme, on s'énerve avec, elle va à gauche, l'autre à droite, dans la chambre, l'autre reste au salon. Mais notre état juridique reste. Notre statut juridique ne change pas parce qu'on a disputé. Parce qu'on s'est pris la tête. Non, notre statut juridique ne change pas. Elle reste ma femme, malgré qu'il peut y avoir des tensions, d'incompréhensions, des conflits. Mais elle reste ma femme. Notre statut juridique est là, elle est ma femme. Mais une dispute, bien-aimée, affecte. Va affecter notre intimité. Ça va affecter notre intimité. Et donc, le pardon est nécessaire pour que nous puissions rétablir cette intimité, cette communion qui a été affectée par cette dispute. Mais notre statut ne change pas. Ne change pas. C'est de la même manière avec Dieu. Nous avons besoin d'un pardon relationnel au quotidien. Au quotidien, parce que lorsque nous péchons, notre communion avec Dieu, notre intimité avec Dieu est brisée. Est brisée. D'où nous avons besoin de son pardon pour rétablir cette intimité, pour rétablir notre communion avec Dieu. Mais notre statut d'enfant de Dieu ne change pas.
On est toujours enfant de Dieu, mais notre communion a été affectée, notre communion a été brisée et nous avons besoin de rétablir cela. Comment ? Par la confession du péché en cherchant le pardon de Dieu. C'est ce que 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et lorsqu'il nous pardonne et nous purifie, nous éprouvons, n'est-ce pas, son confort. Lorsque Dieu nous pardonne et nous purifie, nous éprouvons sa joie. Et nous éprouvons cette intimité, cette communion restaurée, la communion retrouvée. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous faisons là l'expérience de la bénédiction de Dieu. Voyez, nous bénissons Dieu parce que à ce moment-là, nous retrouvons notre intimité avec Dieu, la joie de vivre avec Dieu, le bonheur d'être pardonné. Nous devenons tellement à l'aise. La présence de Dieu ne nous fait plus peur, mais la présence de Dieu nous réjouit. Nous voulons y rester, nous voulons y demeurer. Mais quand nous sommes dans la culpabilité, la présence de Dieu nous dérange. La présence de Dieu, nous commençons à l'éviter parce qu'il n'y a pas de communion, il n'y a plus de communion. Mais lorsque nous nous repentons en confessant nos péchés, Dieu nous pardonne et nous retrouvons la joie. La joie de Dieu, la consolation de Dieu, les réconforts de Dieu, nous les trouvons par le pardon. Lorsque Dieu nous pardonne, il nous réconforte. Nous devenons à l'aise. Waouh! Nous sommes en paix avec nous-mêmes. Nous sommes tellement tranquilles, tellement calmes. Nous avons une conscience tranquille. On est heureux. On est à l'aise. On est à l'aise. On est à l'aise. Et c'est très important. Et nous expérimentons la bénédiction véritable de Dieu et que Dieu soit béni. Troisièmement, n'est-ce pas, lorsque Dieu nous réconforte, comment Dieu le fait? Dieu le fait aussi en nous délivrant. En nous délivrant ou en délivrant d'autres du péché. En nous délivrant, Dieu nous, c'est une façon où Dieu vient nous consoler. En nous délivrant du péché, en nous délivrant de la puissance du péché. La Bible dit, Dieu bénit ceux qui sont dans le deuil. Et bien souvent, cette faveur divine se manifeste à la fois par le fait d'être délivré du péché et par la promotion de la justice. Lorsque Dieu nous apporte la délivrance, c'est une façon de nous réconforter. Lorsque Dieu délivre les nôtres, c'est pourquoi nous avons prié, imploré la grâce. Dieu le fait sortir des griffes du péché. Il les délivre de la puissance du péché. Il les délivre de l'esclavagisme du péché. Il les délivre de ses mauvaises habitudes. Il les délivre de ses comportements sales. Il les délivre de ses liens du péché. Alors ces hommes et ces femmes sont libres. Ils sont délivrés. Ils sont rendus totalement libres. Et Dieu reporte. C'est ça. Dieu réconforte les gens en la délivrant de la puissance du péché, de liens du péché qui les détient captives, qui les amène à pécher et à pécher encore, ils sont devenus esclaves, incapables de se délivrer eux-mêmes. Oh, alors qu'ils pleurent pour cela, ils se frappent la poitrine, implorant la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi de ces habitudes. Délivre-moi de ces comportements. Délivre-moi de ces liens du péché. Je suis Seigneur, s'il te plaît. J'ai besoin d'être délivré. Je ne veux pas tomber aujourd'hui, retomber demain. Et quand Dieu voit ces cœurs qui pleurent, Dieu voit ces cœurs en deuil, Dieu voit ces cœurs en larmes, Dieu voit cette attitude, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient avec sa puissance et il nous délivre de la puissance du péché. Il nous délivre de ces liens du péché. Il nous délivre
livre de ses habitudes et ses comportements. Nous devenons des hommes et des femmes délivrés, libérés de l'influence du mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes consolés. Nous disons, waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur, quel bonheur de se sentir libre. Quel bonheur de se sentir délivré de la puissance du péché. Quel bonheur de se sentir délivré de ces liens du péché. Waouh, je suis délivré. Je ne suis plus attiré par ces choses. Je ne me laisse plus entraîner par ces choses. Même quand je le vois, ça ne me dit rien, ces choses. Je ne suis plus attiré, entraîné par ces choses. Je suis libre. Je suis totalement libre. Des fois, vous-même, vous vous étonnez parce que vous savez ce que vous étiez autrefois. Autrefois, vous ne pouviez pas résister. Autrefois, c'est là où on vous trouvait. Autrefois, c'est dans ces choses que vous retrouviez. Mais maintenant, ça vous dégoûte. Mais maintenant, ça vous met mal à l'aise. Même quand vous êtes choqué quand vous voyez les autres faire ça, vous dites, mais comment ils ne comprennent pas? Mais parce que Dieu t'a délivré. Et c'est un bon réconfort. On est tellement heureux. On est tellement à l'aise. Et la vie devient agréable. La vie devient agréable à vivre et après de telles expériences, Dieu nous réconforte en nous délivrant de la puissance du péché. Dieu nous réconforte en délivrant nos amis de la puissance du péché. Il nous délivre des forteresses de l'ennemi qui nous garde captifs de ses habitudes qui sont devenues comme des forteresses. Dieu nous délivre de cela et nous devenons libres, affranchis. Il ramène la vie de Dieu à l'Église. Il revive, il réveille l'Église. Il renouvelle l'Église. C'est une façon également d'apporter la consolation. Quand nous voyons comment Dieu peut transformer la vie d'une personne, il peut changer toute une ville, il peut transformer toute une famille, délivrer toute une famille de la puissance de l'ennemi, délivrer toute une famille de liens du péché. Nous nous réjouissons et ça nous réconforte. Surtout si nous avons pris du temps dans le larme et dans le pleur, en priant pour cela, en priant pour que Seigneur délivre mon mari de l'alcoolisme, Seigneur délivre mon enfant de la drogue, Seigneur délivre-le de toute cette vie sale, de sexualité, de toute cette vie qui n'honore pas Dieu. Seigneur, délivre-le. Je vois des femmes pleurer, des parents pleurer pour leurs enfants. Je vois des maris pleurer pour leurs femmes, des femmes pleurer pour leurs maris, suppliant, Seigneur, délivre. Oh, Dieu va les délivrer. Et il vous apporte la consolation en délivrant cet enfant. Quel bonheur! Quel bonheur! Quelle joie! De voir le travail de Dieu, de voir comment Dieu peut consoler une famille, comment Dieu peut consoler un mari, une femme, en intervenant dans la vie de leurs enfants, en intervenant dans la vie de son mari, en le délivrant de l'alcoolisme, en brisant le chaîne de l'adultère et en libérant cet homme, en le rendant totalement libre. Quelle joie, quel bonheur, un rayonnement, parce qu'on dit « Waouh, Dieu a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Dieu apporte la consolation en nous délivrant du péché, mais aussi en délivrant les autres. C'est pour qui nous avons pleuré jour et nuit. Oh, j'aimerais vous rassurer et vous encourager. Vos larmes seront récompensées. Le Dieu de la consolation, le Dieu de réconfort va venir vous récompenser, va venir vous consoler. Il vous consolera en délivrant ces personnes pour qui vous priez jour et nuit, pour qui vous aimerez voir leur vie changer, pour qui vous aimerez voir leur vie être transformée, pour qui vous aimerez voir pour cette famille que vous aimerez voir être restaurée, être renouvelée. Dieu vous consolera en leur apportant la délivrance. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous ne pleurez pas en vain. Vos larmes ne sont pas versées en vain. Vos larmes ne sont pas versées inutilement. Ces personnes, Dieu les délivrera. Dieu les affranchira. Dieu les touchera. Dieu les sauvera. Parce que Dieu est le Dieu de la délivrance.
puissance. Dieu est le Dieu de la consolation. Il vous consolera en les délivrant des liens du péché, en les délivrant de la puissance du péché. Dieu le fera. J'encourage. C'est peut-être difficile, mais continue, persévère en implorant la grâce de Dieu. Ce n'est pas en vain que vous pleurez. Ce n'est pas en vain que vous criez à Dieu avec larmes, avec pleurs, que vous souffrez pour le salut de votre famille, pour le salut de vos parents. Dieu qui écoute les prières, il viendra vous consoler en leur apportant le salut, en leur apportant la délivrance, en leur apportant le pardon. Dieu va le faire. Alors, ne vous relâchez pas. Parce que Dieu est le Dieu de la consolation. Waouh ! Que Dieu soit béni. Il est celui qui apporte la consolation en délivrant. En délivrant. Gloire au Seigneur. Quatrièmement, comment Dieu apporte cette consolation à ceux qui pleurent, à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui sont dans les larmes? Comment Dieu apporte cette consolation? Dieu apporte cette consolation par sa parole. Dieu apporte cette consolation par sa parole. Au moyen de sa parole, Dieu vient nous consoler, Dieu vient nous réconforter par sa parole. J'aime ce que la Bible dit dans Romains chapitre 15, le verset 4. Romains 15, verset 4, la Bible dit ceci: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par les réconforts que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez, la parole apporte les réconforts que donnent les Écritures apportent, que les Écritures donnent. Voyez, donc la réconfort. La consolation nous est apportée par la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, Dieu vient nous consoler. Des fois, le véritable deuil nous conduit vers la parole de Dieu, nous conduit vers les Saintes Écritures, à vouloir chercher quelle est la pensée de Dieu. Et lorsque nous trouvons, nous recherchons Dieu, Dieu nous apporte le réconfort par sa parole, par des riches vérités de la parole de Dieu. Il nous réconforte avec l'espoir. Vous voyez, par sa parole, Dieu nous réconforte. Dieu nous fait énormément du bien au travers de sa parole. Dieu peut, pendant que vous pleurez pour vous-même, vous pleurez pour quelqu'un d'autre, et Dieu vient dans votre cœur déposer une pensée. Dieu vient déposer une parole. C'est pourquoi vous allez aller comme ça à une réunion de l'église. Voilà, vous prêchez, Dieu répond. Au travers de cette parole, Dieu vous apporte la consolation. C'est au travers de sa parole. Et je prie que vraiment Dieu vous apporte la consolation nécessaire, les réconforts nécessaires, et vous les trouverez au travers de sa parole. N'allez pas le chercher ailleurs. Dans la parole de Dieu, vous trouverez le réconfort nécessaire. Il y en a pour ceux qui pleurent au travers de sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est la parole de Dieu apporte le véritable réconfort. Pouvez être réconforté, renouvelé au travers de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 119, verset 71. Le psaume 119, verset 71. Lisons la parole de Dieu. Psaume 119, verset 71. Psaume 119, verset 71, voilà, nous sommes là. La Bible dit, « Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. » Et verset 72 dit, « Mieux vaut pour moi
la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Il dit, il est bon pour moi d'être humilié, d'être dans les larmes, d'être dans le pleur et d'être dans le deuil pour apprendre. Donc, la parole du Seigneur dit, il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que 1000 objets d'or. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. Voyez, quand nous sommes affligés, c'est un moyen pour nous d'apprendre la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Et au travers de ce moyen, Dieu nous console. Dieu nous console. Que le Seigneur soit béni. Il nous réconforte avec l'espoir. Il nous réconforte avec espoir qu'il fait toutes choses pour notre bien. Qu'il fait toutes choses pour notre bien. Ça ramène l'espoir dans nos cœurs. Il nous réconforte par sa parole. Et cette parole apporte l'espoir dans notre cœur qu'il fait toutes choses pour notre bien, y compris même nos épreuves et nos échecs. Tout ce qu'il fait, il est fait pour notre bien. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour, est destiné à nous apporter l'espoir dans notre affliction, de nous apporter la consolation, l'espoir. Alors, bien-aimés, nous devons aller puiser dans la parole de Dieu pour trouver le réconfort nécessaire, l'espoir dont nous avons besoin, l'espoir que nous manquons pendant des moments durs. La parole de Dieu et nous donne les réconforts nécessaires. Cinquièmement, ce que fait Dieu pour ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés, cinquièmement, Dieu réconforte ces personnes en deuil par le ministère des autres croyants, au travers des autres croyants, par les dons, par les grâces ou le ministère des autres croyants. Dieu le réconforte. J'aimerais lire avec vous 2 Timothée, chapitre 1, verset 16. 2 Timothée, chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul dit que le Seigneur accorde sa compassion à la famille de Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Waouh! Ça, c'est l'apôtre Paul. Pendant qu'il était en prison, il dit que Dieu l'a réconforté à plusieurs reprises par le moyen de Onésiphore. Voyez, il dit Dieu m'a réconforté en utilisant ses frères Onésiphore. Voyez, vous qui cherchez les noms pour vos enfants, voilà les noms à donner à vos enfants. Hein, et Onésiphore, et c'est lui qui était là en prison. Et l'apôtre Paul reconnaît, il dit cet homme, Dieu l'a utilisé pour me réconforter. Souvent, il précise, souvent, sans en avoir honte de ma situation de prisonnier. Il n'avait pas honte que je sois prisonnier, mais il était là pour me consoler. Il était là pour me réconforter. Il était là pour me fortifier. Vous voyez, quand Dieu vous trouve en deuil, il peut élever au milieu de vous des Onésiphores qui seront là pour vous consoler, qui seront là pour essuyer vos larmes au travers de ses paroles, par sa présence. Ça vous réconforte, ça vous encourage, n'est-ce pas, bien-aimés? Quand nous passons les moments difficiles, quand nous sommes en deuil et en souffrance, dans des situations compliquées où nous pleurons, n'est-ce pas que nous avons besoin des Onésiphores, de ces personnes qui sont là et qui sont là pour nous consoler, pour nous renouveler? Ne soyons pas comme des amis de Job, alors que Job est dans l'affliction, alors que Job est dans les larmes, alors que Job est en deuil, ses amis sont là encore pour le culpabiliser, pour le
les condamner, au lieu de les réconforter, au lieu de les consoler, au lieu de faire ce que Onésiphore fait, et ils commencent à le culpabiliser. C'est parce que tu as péché que tu es comme ça. Tu es un menteur. Mais bien-aimé, l'apôtre Paul souligne, il dit, Onésiphore, cet homme, il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte. Il m'a souvent réconforté. Dieu nous prodigue souvent son réconfort par l'intermédiaire d'autres frères, d'autres croyants également. Dieu au travers de nous. Voilà pourquoi nous devons, frères et sœurs, être sensibles pour être de véritables Onésiphores pour nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Nous devons être sensibles pour être de véritables Onésiphores, ceux qui apportent la consolation à nos frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans les larmes et dans le pleur, qui sont dans l'affliction pour eux-mêmes, peut-être pour quelqu'un d'autre. Nous soyons des Onésiphores qui sont là pour leur apporter la consolation, les réconforts dont ils ont besoin. J'aime l'apôtre Paul dit, il n'en avait pas honte. Il n'en avait pas honte. Il y avait de quoi avoir honte. Mais lui, il n'avait pas honte de l'état de l'apôtre Paul, de la condition de l'apôtre Paul. Il dit, même s'il est en prison, il est en prison à cause de l'évangile. Il est dans cette situation à cause de l'évangile. Il pleure à cause de l'évangile. Et moi, je suis là pour être comme sa consolation. Des fois, les gens ont juste besoin que vous soyez là. Juste besoin que vous soyez là, que vous le tenez par l'épaule pour l'encourager. Il veut juste que vous soyez là. Une parole de réconfort, un message de réconfort, un geste de réconfort qui peut consoler mon frère, qui peut soulager mon frère dans sa souffrance, qui peut sécher ses larmes, lui permettre d'endurer cette épreuve ou cette souffrance. Mais ne soyons pas là pour le condamner à nouveau, pour rappeler à nouveau leurs méfaits, pour rappeler encore leurs péchés, alors qu'ils souffrent déjà de cela. Au lieu de venir comme Onésiphore pour les consoler, nous venons encore pour les rappeler, pour les condamner. Dire, c'est parce que tu as péché que tu es comme ça. Voilà ce que je te disais. Tu as vu, tu as eu ce que tu as semé. Ce n'est pas le moment. Ce temps-là, il a besoin d'un Onésiphore. Hein? Onésiphore qui peut venir le réconforter, le soulager, hein? Le consoler. Et ça permet à quelqu'un de retrouver. Là, Dieu passe. Dieu cherche des instruments humains, des frères et des sœurs, qu'il peut utiliser comme des Onésiphores pour aller consoler des pauvres qui sont dans des souffrances, qui sont dans des situations difficiles, qui sont en train de pleurer, de gémir, qui sont affligés. Que Dieu trouve au milieu de nous, que Dieu trouve en toi un Onésiphore pour consoler ceux qui pleurent. Non pas ceux qui condamnent les autres, ceux qui sont là pour pointer du doigt les autres, pour le culpabiliser, pour les accuser. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Mais nous ne sommes pas des accusateurs de nos frères, mais nous sommes de ceux qui apportent la consolation à nos frères. La consolation, ce n'est pas approuver les actes qu'il fait, ce n'est pas approuver le péché, mais c'est le consoler en le réconfortant avec la parole de Dieu qui dit, mon frère, tiens bon, relève-toi, ce n'est pas la fin de toute chose. Je sais que c'est dur, mais sois fort. Que Dieu te fortifie. Nous sommes là. Nous allons te soutenir. Nous allons t'aider. Nous allons t'accompagner. Il a besoin de ses frères, de ses sœurs, qui l'encouragent à se relever. Pas de ceux qui l'enterrent encore, qui les gardent par terre, qui disent qu'il reste là. Mais il a besoin de frères et de sœurs qui l'encouragent.
encourage, qui le relève, qui lui dit encore de l'espoir, qui dit oui, tu peux devenir meilleur, oui, tu y arriveras. Dieu est le Dieu de grâce, Dieu est le Dieu de miséricorde, Dieu est le Dieu de pardon. Ne te laisse pas dans cette souffrance. Et ça porte, peut-être en lui partageant même votre propre témoignage, comment Dieu vous a délivré de cette situation, en lui partageant votre propre témoignage, ça apporte un réconfort au frère ou à la sœur. Ça apporte un réconfort. Ça le réconforte. Ne soyons pas insensibles, bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu console ceux qui pleurent au travers des instruments humains que vous êtes. Dieu apporte les réconforts. L'apôtre Paul dit, Dieu l'a réconforté à plusieurs reprises par les moyens de Onésiphore. Waouh! Que Dieu nous donne, afin que par eux, que la consolation de Dieu nous parvienne, que la consolation de Dieu soit notre partage. Sixièmement, comment Dieu nous réconforte ou nous console ceux qui pleurent. Comment Dieu console ceux qui pleurent. Dieu réconforte finalement ceux qui pleurent lors de la seconde venue de Christ. Dieu va réconforter. Dieu va consoler ceux qui pleurent lors de l'avènement de Christ. Lorsque Christ reviendra, au retour du Christ, Dieu nous délivrera de la présence du péché. Nous aurons de nouveaux corps, nous dit la Bible. Nous serons libérés de l'orgueil. Nous serons libérés des luxures, des colères et de tout ce qui nous fait trébucher, qui nous met mal à l'aise. Dieu va nous réconforter. Vous voyez, il y a des réconforts ici sur terre, mais aussi la plus grande des consolations que nous attendons, vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lors du retour de Christ. Quand Christ reviendra, ça sera notre consolation. Il essuiera nos larmes, il séchera nos larmes, il consolera notre cœur. Quand Christ reviendra, nous sommes dans ces grands rendez-vous et nous attendons ce jour-là lorsqu'il reviendra. Et quand il reviendra, ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui pleurent, il séchera leurs larmes. Il essuiera leurs larmes et nous attendons ce jour. Oui, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous allons pleurer. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, le péché va nous faire affliger. Le péché est encore là. Mais quand le Christ viendra, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous serons totalement délivrés du péché et de ses mauvaises habitudes qui nous collent dans le pot, qui nous collent dans la peau et qui nous empêchent de nous épanouir, d'être ces chrétiens que Dieu veut que nous soyons. Nous souffrons de ces caractères, nous souffrons de ces habitudes. Nous voulons que Dieu nous en délivre, nous voulons que ça change. Mais il y a une délivrance parfaite, une délivrance totale, une délivrance complète. Ça se fera le jour où Christ reviendra dans sa gloire. Et là, nous allons vivre la parfaite consolation. Alléluia. La parfaite consolation. Là, nous allons vivre la parfaite et la totale consolation quand Christ reviendra. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 21, juste le verset 4e. Apocalypse 21, le verset 4e. Apocalypse 21, si vous ne savez pas où se trouve Apocalypse, c'est juste le dernier livre de la Bible. Apocalypse 21, verset 4. La Bible déclare ceci. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car ce qui existe avant, ce qui existait avant a disparu. Il n'y aura plus. Nos larmes seront essuyées. Il n'y aura plus de deuil lors de son retour, lorsqu'il viendra. Il n'y aura plus. Nos larmes seront essuyées. Cesseront les cris, les douleurs lors de son retour. Parce qu'il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de deuil pour le péché. Il n'y aura plus de deuil parce qu'il n'y aura plus quelqu'un qui pêche. Il n'y aura plus de deuil. Personne ne pourra encore être sauvé. Il n'y aura plus de deuil. Nous serons sans deuil au ciel. Nous n'aurons plus besoin d'une délivrance du péché quelconque. Nous serons totalement délivrés. Il n'y aura plus de deuil. Tout sera changé. Nous serons transformés. Au travers du retour de Christ, Dieu va consoler son peuple. Dieu va consoler son peuple qui se lamente pour l'état de ce monde aujourd'hui. Mais quand Christ reviendra, nous irons dans la félicité éternelle. Et là, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de larmes. Ça sera une consolation parfaite et totale. Combien nous soupirons après ce retour. Combien nous aimerions qu'il revienne. Combien nous soupirons après cette consolation. Cette consolation parfaite. Cette consolation éternelle. Où nos larmes seront totalement séchées. Je sais que c'est dur maintenant de lutter avec le péché. C'est dur maintenant de lutter avec toutes ces habitudes. C'est dur maintenant, mais il y a un jour. Ce jour-là arrive. Ce jour-là arrive bientôt où nous n'aurons plus à lutter avec le péché, où nous n'aurons plus à lutter avec le vieil homme, où nous n'aurons plus à lutter avec la chair, parce que Christ reviendra et nous connaîtrons la délivrance totale et complète. La délivrance totale du péché. Dieu nous délivrera pour l'éternité du péché. Nous serons des hommes et des femmes totalement libres. Totalement libres. Et Dieu glorifiera son nom. Pourquoi aujourd'hui nous n'expérimentons pas la vraie consolation telle que Dieu veut? C'est simplement parce que l'Église n'est plus dans l'affliction, n'est plus dans le deuil. L'Église n'est plus dans le deuil. L'Église ne souffre plus pour l'état du monde actuel. L'Église ne souffre plus pour les âmes qui se perdent. L'Église ne souffre plus pour l'état, pour le péché qui croise dans ce monde. L'Église ne souffre plus pour l'état des choses autour d'elle. Non, l'Église ne souffre plus. L'Église trouve que cela est normal. Voilà pourquoi la consolation n'est pas là. Parce que heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La consolation est pour ceux qui pleurent. Mais si l'Église ne souffre plus de l'état, de l'état actuel du monde, de cette de déviation que nous voyons aujourd'hui, de la débravation que nous voyons aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons espérer vivre la consolation de Dieu? Que Dieu travaille nos cœurs. Nous sommes devenus des chrétiens insensibles vis-à-vis du péché. Déjà de notre propre péché, nous sommes insensibles. Nous péchons sans remords. Nous péchons sans regret. Et que Dieu travaille nos cœurs. J'aime ce que le psalmiste David dit, « Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. » Dieu crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à transformer notre cœur, à changer notre cœur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et ça, c'est très important. Vous savez, cet état de deuil, c'est un état que Dieu veut que nous puissions avoir.
C'est une attitude que Dieu veut que nous puissions développer par rapport au péché. De notre propre péché, mais aussi des péchés des autres, de l'état, de la condition de notre monde aujourd'hui, de cette débravation de mœurs que nous voyons aujourd'hui. Ça doit nous faire pleurer, pas nous faire rire, pas nous laisser indifférents. Où sont ces chrétiens qui pleurent encore pour le salut des âmes? Où sont ces chrétiens qui pleurent encore pour que Dieu délivre les gens de toutes ces déviations sexuelles? Où sont ces chrétiens qui implorent encore la grâce de Dieu, qui pleurent, qui souffrent de voir les familles qui se déchirent, de voir les divorces qui détruisent, qui entrent même dans l'église, qui détruisent des familles? Où sont ces chrétiens qui pleurent encore pour ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur? Et cet état d'esprit, cette attitude, ce caractère que nous devons avoir, qui était le caractère même de Christ, car nous voyons comment Christ pouvait pleurer devant la ville de Jérusalem. Nous voyons Christ être affligé, être en deuil. Il dit, si tu connaissais toi aussi ce jour qui t'est donné, il pleure. De ce que Israël est en train de, Jérusalem est en train de passer à côté de son salut. Comme beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, ils passent à côté de leur salut, à côté de leur délivrance. Alors ils pleurent, ils disent, mais si tu connaissais ces jours, si tu savais le temps où Dieu t'a visité. Mais Israël, Jérusalem, tu ne connais pas le temps où Dieu t'a visité. Et il pleure pour ça. L'ignorance de Jérusalem. Et cet état d'esprit, Dieu veut que nous puissions, que ça puisse grandir en nous, que ça puisse croître, grandir dans ces deuils spirituels. Et comment nous pouvons grandir dans le deuil spirituel? Comment pouvons-nous grandir dans le deuil spirituel? Trois raisons rapidement, je veux dire, avant que nous puissions terminer et passer à autre chose. D'abord, nous grandissons dans notre deuil spirituel en nous détournant du péché. 2 Thessaloniciens, premier livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, 22, nous dit ceci. Abstenez-vous de toute forme du mal. Abstenez-vous de toutes sortes, de toutes formes du mal. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne les font pas. Au lieu de s'abstenir de péché, nous nous divertissons dans le péché. Nous nous en parlons avec fierté. Et puisque nous nous divertissons dans le péché, nous nous en parlons avec légèreté. Qu'est-ce qui arrive ? Nous perdons notre sensibilité vis-à-vis du péché. Nous perdons la sensibilité vis-à-vis du péché. Ça nous dit plus rien, quelque chose. Ça ne nous dit rien. On n'est plus touché. On se sent plus concerné. Et en fin de compte, le péché commence à se manifester dans notre vie. On commence à reproduire cela. Pourquoi? Parce que nous perdons cette sensibilité spirituelle où le péché nous dérangeait autrefois, où lorsqu'on mentait, on était troublé, on pleurait, on s'est lamenté, on tombait par terre, on dit « Seigneur !» Mais maintenant, on n'a plus ça. Il dit « Abstenez-vous du mal. » Bien-aimés, si nous voulons être en deuil, nous devons fuir toute forme de mal. Évitez d'écouter certaines choses. Ça risque de briser votre sensibilité.
Ne vous habituez pas avec ces causeries, ces plaisanteries détournées et malsaines. Ça risque de briser votre sensibilité au péché et de comprendre, de voir que oui, bon, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, et ça, c'est pas bon. J'aime ce que le psaume chapitre 1, verset 1, dit ceci, le psaume de David, chapitre 1er, le psaume de David, chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit ceci, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. » Nous perdons la sensibilité, bien-aimés, lorsque nous commençons à suivre les conseils des méchants, lorsque nous commençons à nous asseoir, à s'arrêter sur la voie des pécheurs, alors nous perdons notre sensibilité. Nous devons faire très attention avec notre compagnie, ceux qui nous entourent. De quoi parlons-nous quand nous sommes là? Ces gens qui parlent avec vous, en vous montrant que le péché, c'est rien. C'est en parlant avec légèreté du péché. Ce sont des gens que vous devez éviter. Ce sont des gens que vous ne devez pas écouter. Ces gens qui parlent avec légèreté du péché. Ils vont, d'une manière ou d'une autre, vous contaminer. Et David dit, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il se moque des choses de Dieu. Et vous êtes là, vous riez avec eux. Vous êtes en train de perdre quelque chose. Votre sensibilité par rapport au péché, vous risquez de le perdre. Ce chemin vous amènera loin. Deuxièmement, nous grandissons dans ces deux spirituels en étudiant la parole de Dieu. Encore une fois, en étudiant la parole de Dieu, nous grandissons dans cela. Et troisièmement, nous grandissons dans le deuil spirituel en confessant notre manque de deuil, en priant pour la grâce de Dieu. Oui, nous avons besoin de prier pour cela, pour que Dieu nous donne ce cœur, que Dieu nous donne ce cœur qui pleure, que Dieu nous donne cette sensibilité par rapport au péché, que lorsque nous péchons, nous nous sentons dérangés. Quand nous voyons les autres péchés, nous souffrons de voir le péché. Nous souffrons de voir, d'apprendre du péché. Nous souffrons de cela. Nous souffrons de voir les gens mener cette vie. Nous souffrons de voir le monde aller en dérive, dans toute forme de débravation. Nous souffrons de cela. Que Dieu nous donne ce cœur. Demandons-le à Dieu aujourd'hui. Demandons cela à Dieu. Comme je n'ai cessé de le dire, c'est à ce moment-là que le réveil viendra vraiment. C'est à ce moment-là que viendra le réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. J'aimerais que ce soir, nous avons parlé de ces sujets importants, le deuil, le pleur, l'affliction. Qu'est-ce qui nous afflige? Est-ce que le péché nous afflige? Notre propre péché, est-ce qu'il nous afflige? Est-ce que le péché des autres, ce que nous voyons autour de nous, nous afflige? Ou bien nous avons perdu cette sensibilité? Si vous l'avez perdu, c'est-à-dire le péché ne vous dit plus rien, que vous le commettiez, que vous voyez les autres le commettre, ça ne vous dérange pas, ça ne vous dit plus rien. Vous êtes insensible.
Vous ne souffrez pas de voir cela. Vous ne souffrez pas de vivre dans le péché. Vous ne souffrez pas de commettre le péché. Il est temps ce soir que vous puissiez revenir vers Dieu pour dire, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un cœur nouveau. Brise en moi cette insensibilité. » Seigneur, telle est notre prière ce soir. Telle est notre prière. Nous ne verrons pas le réveil aussi longtemps, Seigneur, que nous ne sommes pas dans cette voie, que nous n'avons pas développé cette attitude. Oh Seigneur, combien de fois nous restons indifférents. Combien de fois nous-mêmes nous sommes restés insensibles au péché. Nous nous enfonçons en rigolant. Nous prenons tout à la rigolade. Alors que les vies sont en train de se détruire, alors que les âmes sont en train de se perdre. Seigneur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur, ce cœur qui pouvait regarder Jérusalem malgré sa réputation, qui pouvait regarder Jérusalem malgré les foules qu'elle pouvait attirer, cette ville. Mais quand tu regardais, tu saignais en toi, au-dedans de toi-même. Tu pleurais, tu gémissais, tu t'es lamenté pour elle, pour dire ce n'est pas possible. Seigneur, donne-nous ce cœur. Travaille notre cœur à cela. On devient tellement habitué avec le péché au point que cela ne nous fait plus rien. Et nous nous laissons entraîner. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ce cœur et donne-nous à grandir dans cette attitude. C'est à ce moment-là, Seigneur, que nous verrons le réveil, que nous vivrons la consolation. Le salut viendra, la délivrance viendra. C'est à ce moment-là que le pardon viendra. Mais si nous ne savons pas pleurer sur l'état de ce monde, sur ces âmes qui se perdent, sur les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, Seigneur, le salut ne viendra pas, car tu nous consoles par ce moyen. Je te prie, ô Dieu, donne-nous ton cœur. Je prie aussi ce soir, Seigneur, que tu fasses de nous des Onésiphores. Ces hommes, ces femmes, qui se laisse utiliser par toi pour apporter la consolation, le réconfort à ceux qui pleurent, qui ont besoin d'être réconfortés. Seigneur, utilise-nous, s'il te plaît. Très souvent, nous sommes insensibles à ces souffrances des autres. Nous regardons leur situation. Nous nous plaisons même de le voir dans cet état. Mais Seigneur, donne-nous le cœur. Et on est si fort. Je te prie. Bénis ta parole dans nos cœurs et que cette étude apporte des fruits. Des fruits pour ta gloire. Et que vraiment ton esprit travaille profondément nos cœurs afin que nous ayons en nous ces caractères, ces attitudes du royaume. Car c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu et pour sa parole. Voilà, si vous avez quelques questions pour lesquelles vous pensez que vous avez besoin peut-être de quelques éclaircissements, nous allons prendre quelques questions. Et pour essayer de répondre à cela, n'hésitez pas à poser votre question. Et nous croyons que Dieu travaillera nos cœurs et nous aidera. Merci Seigneur. Bonsoir mon frère Rodolphe. Il dit, comment garder et vivre pleinement notre joie en Christ en étant sincèrement affligé et attristé par le péché qui agit dans la vie de nos proches. C'est une question très importante. Comment garder et vivre pleinement notre joie en Christ?
en étant sincèrement affligé et attristé par le péché qui agit dans la vie de nos proches. Nous avons dit, je pense, lors de notre première partie de cet enseignement, montrer ces contrastes qui étaient là. On nous disait, réjouissez-vous dans le Seigneur, mais aussi pleurez, soyez affligés. Et pour cela, je pense qu'il y a un bon équilibre à faire. La Bible ne dit pas que nous devons avoir, ce n'est pas une question d'expression, c'est une question d'attitude du cœur. Face au péché, nous ne devons pas nous réjouir, mais face au péché, nous devons être attristés. Cependant, Dieu nous donne plusieurs occasions de nous réjouir. Nous devons nous réjouir de notre salut, nous réjouir de notre délivrance, être des chrétiens heureux, de manière générale, mais affligés par rapport au péché. Être affligé par rapport au péché. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché et être heureux. D'abord pour nous-mêmes. Et nous devons être des chrétiens heureux, mais qui sont affligés par rapport au péché et au péché des autres. Les situations que nous voyons. Les choses que nous, qui sont autour de nous. Et cela est possible en faisant cet équilibre. Chose. La joie en Christ ne nous empêche pas, ne nous interdit pas, ne nous humanise pas, voilà le mot, ne nous humanise pas face aux souffrances que le péché peut apporter. Non, un vrai chrétien qui est heureux en Christ, c'est un chrétien qui souffre de voir le péché autour de lui, les pécheurs persévérer dans son péché. Mais la joie du Christ ne nous humanise pas envers cela. Et en même temps, notre bonheur d'être en Christ, d'être des hommes et des femmes pardonnés, délivrés, est là. Ça se voit, ça se remarque. Nous sommes heureux. Dit heureux celui dont le péché a été pardonné. Ce bonheur est là en nous. Ce bonheur est là en nous. Mais ça ne nous empêche pas également de souffrir, de voir le monde qui souffre. Bonsoir, mon frère Hervé. La question est, quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui désire arrêter un péché, mais à tout moment retombe sur la même chose et cela fait plusieurs années et elle ne sait plus quoi faire. Wow. D'abord, ce que je dirais, c'est que Dieu est le Dieu des délivrances qui nous délivre du péché. C'est vrai, nous luttons avec la réalité de la chair, mais Dieu nous délivre du péché. Comment faire, comment aider une personne qui retombe encore dans le péché et il en souffre, il veut s'en délivrer et il n'arrive pas. D'abord, il faut se connaître soi-même. Se connaître soi-même et connaître ses limites. Car des fois, nous faisons semblant. Il faut se connaître soi-même et connaître ses limites. Dieu nous pardonne. Dieu nous donne les moyens de sortir, la Bible dit. Dieu n'est tant de personne, mais Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Je pense que la première des choses qui est à considérer, c'est notre discipline personnelle. Sommes-nous disciplinés? Comment est notre vie de prière?
Comment est notre vie de méditation de la parole? Et ça, ça pourra nous aider. Et puis comprendre les causes, les choses qui m'amènent à pécher. Qu'est-ce que je dois éviter pour ne plus retomber dans ces choses? Peut-être c'est mon environnement, c'est les relations, les amis, les personnes avec qui je suis. Peut-être il faut les éviter pour ne plus tomber dans la même chose. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui nourrit mon esprit? Car toutes ces choses, il y a des choses qui peuvent contribuer à votre chute de manière permanente. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte des fois de fuir, de nous détourner. David dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, voyez, qui sont nos compagnons. Toutes ces choses-là jouent. Donc, il faut se poser des bonnes questions et ne pas seulement vouloir traiter des choses de manière superficielle, mais aller un peu à la racine pour essayer de comprendre pourquoi je retombe toujours dans ce même péché. Donc, se poser des bonnes questions pourra nous aider à avoir des bons remèdes qui peuvent nous aider à progresser et à avancer. Mais sachez que si nous nous tournons véritablement vers Dieu, sincèrement vers Dieu, Dieu nous délivre. Dieu nous délivre du péché. Maintenant, nous devons prendre des précautions pour ne plus tomber, parce que le diable ne cessera pas de nous tenter parce que nous avons surmonté une tentation et il cesse de nous tenter. Mais il va continuer à nous tenter, même quand nous surmontons les tentations. Alors c'est à nous d'être prudents. C'est pourquoi Jésus nous exhorte, dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. » Veillez, c'est-à-dire soyez vigilants, soyez prudents. Il y a des milieux que vous devez éviter. Il y a des fréquentations que vous devez éviter. Il y a des choses que vous devez éviter de voir, de lire. Vous devez vous mettre des disciplines. Donc, voilà ce que je peux dire. Bonsoir, Olivier. Comment dire avec politesse à un grand frère qui veut nous partager des commérages qu'on n'est pas d'accord avec lui? Comment l'arrêter poliment dans son élan? Vous savez que, en tant que chrétien, c'est vrai, des fois, nous avons peur de choquer les gens. Mais des fois, je pense qu'il y a des personnes que nous devons choquer. Ça va les déranger, mais au moins, tu vas te préserver. Choquer quelqu'un, ce n'est pas lui parler impoliment ou méchamment, mais c'est seulement être ferme en lui mettant des limites, poliment, en lui expliquant que, en tout cas, moi, je ne suis pas dans ces genres de choses, de commérages. J'aimerais vraiment prier pour cette personne, hein, alors qu'il me parle, « Telle avait, tu comprends, tu sais. » Oh, si on priait pour lui, ça serait l'idéal. Je pense que ça, c'est une bonne façon de parler à quelqu'un. On dit, « Ah, si on priait pour lui, je pense que Dieu l'aidera. » Je réalise vraiment combien cette personne a besoin de Dieu. C'est vrai. Non, il a vraiment besoin de Dieu. Il faut qu'on prie pour lui. Je pense que ça va arrêter l'élan de la personne. Ça va arrêter son élan. Beaucoup d'entre vous disent, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut qu'on prie pour lui, hein. Oui, il faut qu'on prie pour lui. Et si c'est un chrétien, arrête le même. Priez, là. Demande-lui, est-ce qu'on ne peut pas prier pour lui? S'il te plaît, prions un peu. Au lieu de continuer à parler, prions un peu pour lui. Ça va couper son élan.
Mais si tu le laisses parler, il va t'entraîner dans ces choses. Si tu ne l'arrêtes pas aujourd'hui, demain il reviendra. Mais si tu l'arrêtes aujourd'hui, demain il ne reviendra plus. Quand il sera avec toi, il va éviter. Bah, lui, si je lui parle, il va me dire prier. Et puis bon, voilà, je préfère ne pas lui parler. Je pense que ça, c'est une façon poliment d'essayer de calmer l'allure, les élans de telles personnes qui viennent avec des commérages poliment en lui disant que, ah oui, c'est vrai, on peut prier pour lui. Non, je réalise combien il a besoin de Dieu. Prions un peu pour lui, prions pour lui. Et si vous sentez vraiment que c'est ses habitudes, chaque fois il est avec vous, je pense que vous devez être clair avec lui en lui disant, en tout cas avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise de parler comme ça à des gens. En tout cas, excuse-moi, mais je ne suis pas à l'aise. Je pense que prochainement, et ça serait l'idéal qu'on n'en parle pas. C'est bon. C'est poli. Mais au moins, vous avez donné votre avis. Merci. Bonsoir, Aline. Comment faire pour aider une personne qui a déjà sombré dans l'alcool et qui a perdu totalement la raison? Comment lui apporter l'évangile? Je pense que la première des choses à faire pour de telles personnes, un, c'est prier pour eux. Je pense que c'est là où tout doit commencer. Il est difficile de gagner une personne pour qui on ne prie pas. Une personne pour laquelle on ne prie pas. On ne prie pas pour elle. Il faut commencer d'abord par la prière. Priez pour elle. Surtout si elle est vraiment là-dedans, il est tout le temps ivre, priez pour elle. La première des choses, c'est la prière. La prière et la prière. Et deuxièmement, peut-être trouver l'occasion quand elle est normale, pour commencer à lui parler petit à petit de l'Évangile. Mais je pense que pour de telles personnes, il faut beaucoup prier pour eux pour que Dieu les délivre. Et puis, leur apporter l'Évangile en les aidant petit à petit, quand vous en avez l'occasion, quand il est un peu dans un état normal, pas dans un état second, mais dans un état normal, lui parler petit à petit de l'Évangile. Mais passer plus le temps dans la prière. Je pense que ça, c'est ce qui est important. Et ne pas se précipiter, lui apporter l'Évangile parce qu'il ne va rien comprendre. Il est dans un état où, voilà. Donc, c'est la prière, et puis ton attitude vis-à-vis de lui, ton comportement, lui montrant de l'amour, de la compassion, que tu souffres avec lui, que tu souffres des choses, pas aller dans l'esprit des culpabilisations, des condamnations, mais vraiment de beaucoup d'amour et de beaucoup de prières pour lui. Et je pense que c'est à ce moment-là que Dieu va travailler son cœur. Vous savez que l'apôtre Paul nous exhorte et dit, je veux qu'on prie pour tout homme. Donc la prière est d'abord l'élément clé. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour vos questions. Et nous sommes donc à la fin de notre culte de ce soir. Espérons que nous avons pu répondre à toutes vos questions. Et que Dieu vous bénisse. Et gloire à son nom. Que Dieu soit béni. Donc vous pouvez déjà ce soir vous inscrire pour nos deux cultes de ce dimanche. Et sachez aussi qu'il y a un programme spécial jeunesse à partir de ce mercredi. La jeunesse, notre jeunesse est en retraite, donc vous pouvez également vous inscrire. Et de mercredi à vendredi, ça se passera sur Zoom. Donc vous aurez les liens, vous pouvez vous connecter à partir de chez vous, de 10h à 18h. Et le samedi, ça sera ici,
sur place en présentiel. Et pour ça, vous devez aussi vous inscrire et pour notre aide de culte. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés dans notre chaîne EEPS TV et dans notre page Facebook. Nous croyons que Dieu vous fait du bien et il continue à vous le faire. Quant à nous, nous vous portons dans nos prières, nous vous aimons et nous prions que Dieu continue à vous bénir. Merci de nous avoir suivis et que la grâce de Dieu soit avec vous. À très bientôt. Merci. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir l'Église Parole du voici les étapes à suivre. Envoyez tout d'abord BT au 0033 6 29 19 88 3, puis cliquez sur le lien reçu par SMS et pour terminer, remplissez en 15 secondes le formulaire. Dans la référence, merci de préciser votre don, offrande, dîme, action de grâce, mission ou encore BT. Vous avez également comme possibilité de au compte suivant.